Let's go! Lucie adore la baignoire arc-en-ciel. Quoi? Que va faire Lucie? Arrête! Hein? Non! Trop beau! Je veux une baignoire arc-en-ciel aussi! Êtes-vous curieux de connaître la baignoire arc-en-ciel de Lucie? Je peux en avoir une? Yeah. Ouais! Quoi? Lucie! Pourquoi? Je veux juste une baignoire arc-en-ciel! Violet, vert, jaune, orange, rose, bleu. Toutes les couleurs forment un magnifique bain arc-en-ciel. Si tu fais ça, l'eau va être sale et tu pourras plus t'y baigner. Je veux prendre un bain. Permettez-moi. Et permettez-moi. Oh non! C'est aussi une bonne occasion pour les bactéries de se multiplier. Cela provoque chez Lucie une réaction allergique très nocive pour la peau. Vous voyez que les conséquences sont effrayantes. Je ne jetterai plus rien dans la baignoire. Les enfants. Waouh! C'est délicieux. Surprise! Oh! N'allez pas trop loin, les enfants. Oh! Oh! Oui! Le père de Molly a besoin d'aide. Allons-y! Oui! Wolfou, attends un peu ici. Oui. Salut. Salut. J'attends mon père aussi. Tu veux qu'on joue ensemble? Oui. Papa loup, aide-moi. S'il te plaît. Oui. Wow, deux d'entre eux jouent à se faire passer pour leur père. Ils sont si heureux. Molly, allons ailleurs pour construire d'autres maisons. Stop! Ce sera très dangereux. Savez-vous pourquoi c'est dangereux? Allez, allez! Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. Wolfou? Oh non, Wolfou et Molly sont tombés dans le piège du voleur rhinocéros. Oh non! Ne t'inquiète pas, je peux creuser le sol pour qu'on s'échappe. Est-ce le bon plan? Stop! Oh non! Ta-da! Les enfants. Surprise. Tintin. Oh.
Avez-vous vu les conséquences d'une sortie en solitaire sans adulte autour de vous? Les méchants feront tout pour t'attirer. Alors ne t'éloigne pas trop loin où il n'y a aucun adulte. Oui, oui. Mm-hmm. Étudiant sérieusement pour devenir un vrai super-héros. Le bébé super-héros va à l'école. Je me demande ce qui fait que les super-héros sont si forts. Bonjour. Au revoir. Les super-héros ont-ils suivi des cours d'entraînement depuis leur enfance? Non. Apprenons comment tirer des toiles d'araignée. Ce n'est pas facile de tirer des toiles d'araignée. Bien joué, les enfants. Entraînez-vous plus dur et vous gagnerez dans le futur. On y va. Nancy et Lucie sont très déterminées à s'entraîner et à être aussi fortes que les super-héros. Arrêtez! Les super-héros, c'est juste de la fiction. C'est dangereux pour vous de vous entraîner comme ça. On peut devenir des super-héros en faisant des petites actions dans notre vraie vie. À l'aide! À l'aide! Stop! Vous voyez, lorsque nous aidons les gens, nous devenons des super-héros dans leur cœur. Merci. Oh non! Oui! Soyons des super-héros à notre manière, les enfants. Allez, allez! Bonjour. C'est délicieux. Allez, on y va. Attention, Rhino est déguisé. Allez, on y va. Rhino s'est déguisé en clown. Alors soyez prudent. Appelez-moi immédiatement si vous le voyez. Oui, monsieur. Wolfou et Pando n'ont pas remarqué le rappel de Monsieur Bu. Bonjour Monsieur Sepp. Bonjour Monsieur Sepp. Bonjour. Les enfants. Oh non, n'est-ce pas le voleur Rhino comme l'a décrit la police Bu? Trop cool! Qu'adviendra-t-il de Wolfou et Pando? Mmh.
Surprise! Fuyez! Ouf! Le policier Bu est arrivé juste à temps. Voyons voir, pourquoi Wolfou a-t-il appelé Monsieur Zebra? Il m'appelle. Bon travail, les enfants. Mais tu ne m'as pas écouté. Rhino a failli t'attraper. Wolfou! Ne faites plus jamais cela. On a compris. Le concours de déguisement familial. La couleur du thème pour chaque famille a donc été déterminée. Et tout d'abord, la famille Wolfou avec des tenues noires. Eh bien, il s'avère que Wolfou se déprécie au sujet de sa famille. Je laisse tomber. Nous devons faire de notre mieux. Et nous ne pouvons pas abandonner. Voyons, quelle est l'idée de Lucie? Fais-moi confiance, on a déjà un super spectacle. C'est très excitant, je ne sais pas quelle famille va gagner ce concours. Oh non, la famille de Piggy a perdu des points. Il en est de même pour la famille Cat. Mais qu'en est-il de la famille Wolfou? Je n'ai pas abandonné, grâce à toi. Oh,
magicien Wolfou. Qu'attend Wolfou? Alien, je me souviens que t'as quelque chose qui aspire les vêtements. Tu peux me le prêter? Oui. Ici, mais pourquoi? Oh? Wolfou court trop vite. Stop! Wolfou, pourquoi tu veux aspirer les vêtements de Croco? Voyons voir quel est le motif de Wolfou. Ta-da! Il s'avère que Wolfou voulait le costume de Croco. Mais je veux avoir son costume pour faire des tours de magie comme lui. Quand bien même, tu ne devrais pas aspirer les vêtements de Croco. Regarde. Après tout, que pourrait-il se passer maintenant? Oh non! Pando, est-ce que je peux t'emprunter ta pomme, s'il te plaît? Wow, incroyable! Cette tenue n'est qu'un accessoire. Si Croco est si doué pour la magie, c'est parce qu'il s'est beaucoup entraîné pendant un moment. J'ai compris, je vais m'entraîner plus fort. Mercredi et cellule de prison d'Enid. Waouh, aujourd'hui, Lucie et Nancy sont si jolies dans leur robe. Mon costume arc-en-ciel est trop joli. Et le mien est beaucoup mieux. Hein? On n'a qu'à demander son avis à Wolfou. Wolfou, est-ce que tu peux m'aider? Non! Les petites filles ne veulent pas du tout céder l'une à l'autre. Oh non! Vite, cachons-nous avant que Wolfou ne découvre ça! On doit le réparer. Comment Lucie et Nancy vont-elles réparer la prison de Wolfou? Pourquoi est-ce que tu as pris autant de couleurs?
Je pense qu'il aime quand il y a plein de couleurs. Il préférera le mien. Ils sont tellement créatifs. Choisissez-vous la prison de Lucie ou celle de Nancy? Qu'est-ce que vous faites? On l'a cassé sans faire exprès. Alors, on essaye de réparer? Wolfou pardonnera-t-il à Lucie et Nancy? On est désolé. C'est merveilleux. Je l'adore. Merci. Oh, ils arrivent à admettre la responsabilité de leurs actes. Osez reconnaître vos erreurs si vous avez tort. Oh non, pourquoi Wolfou est-il emprisonné? Ne sois pas égoïste, Lucie. Les enfants, je vais au supermarché. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Oui, oui. On y va. Je vais utiliser mes économies pour acheter tous ces œufs. Non, non. Voyons voir. Pourquoi Lucie panique-t-elle? Oh oh! Lucie doit trouver une autre solution. Il s'est avéré que Wolfou a été emprisonné à cause de Lucie. Mais Lucie peut-elle vraiment déjouer les plans de son frère? Restez à l'écoute pour le découvrir. C'est le jouet de la police que mon père a fabriqué. On joue ensemble? Non, non, je veux l'emprunter pour une autre raison. Tu ne peux pas acheter ces œufs. Ce sont les miens. Non. Lucie, laisse-moi. Non. Non. Hourra! Ne sois pas si égoïste, Lucie. Wolfou te laisse toujours jouer avec lui. Lucie, Lucie! Salut, on y va Lucie. On va acheter les œufs et jouer ensemble. Qu'est-il arrivé au sommeil de la famille Wolf?
Première pyjama partie des Wolfou. J'ai trop hâte de faire la pyjama partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons manger du gâteau et jouer à des jeux ensemble. C'est très indélicat de ta part. Est-ce que maman t'en veut? Non. As-tu chaud? Si froid. J'ai besoin de me calmer. Préparons-nous au combat. Viens ici, mon fils. Non, viens voir ta maman. Quelle équipe Wolfou va-t-il choisir? Tu as compris? Construis le fort avec moi. Il faut que j'arrange les choses entre eux. J'ai chaud, maman. Non, tu vas attraper froid. J'ai froid. Commençons. Wolfou est dans mon équipe. Oh non, il semble que le conflit entre les parents soit encore plus intense. Arrêtez de vous battre. Et nous jouons à la bataille d'oreillers. Je l'ai expliqué quand on a construit le fort. Tu ne t'en souviens plus? Alors, je serai dans ma propre équipe. En fait, ce n'était qu'un jeu, Wolfou. Est-ce qu'on peut faire une pyjama party ce soir? Que s'est-il passé? Pas pour Wolfou. Une leçon de bricolage amusante. Chacun dépense beaucoup d'efforts pour son modèle de voiture. Nettoyez vos bureaux, les enfants. Oh non, le casier de Wolfou est à l'opposé de celui de ses amis. Le casier de Wolfou a l'air en désordre. Où Wolfou est-il censé ranger ses objets? Son casier est plein. Est-ce que je peux mettre ça dans vos casiers? Allez, prends la balle. Souvenez-vous de fermer la porte. Oh non, Wolfou a abîmé les casiers de Kat et Pando. Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, on ne te laissera plus utiliser nos casiers. Qu'est-ce qui est arrivé à vos voitures, les enfants? Wolfou a tout gâché. Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Je vais leur en faire des encore plus belles. Le plan d'excuse de Wolfou sera-t-il couronné de succès? Oh.
N'essaye même pas de l'ouvrir. Hé, hey, Wolfo! Bon, d'accord. Oh, les fournitures scolaires tomberont sur Wolfo. Voici le résultat de ce stockage désordonné. Souvenez-vous de nettoyer vos casiers, les enfants. Je suis désolée, je voulais juste faire deux nouvelles voitures pour Kat et Pando. On va t'apprendre à être plus soigneux. Savez-vous quoi faire après cet épisode? Bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui rend bébé Shark Wolfo si heureux? Construisons ensemble un parc aquatique. Venez tous participer au concours créatif de la journée d'été sur le thème du bébé requin. Wow. Bonjour. Wow. Wow. Participons-y ensemble. Non! Quelles idées choisiront-ils d'apporter au concours? Oh, wow. Oui! Parc aquatique. Peux-tu deviner comment Wolfo et Alien vont créer un parc aquatique? On n'a qu'à le construire en Lego. Quelle est la bonne idée de Wolfo? Bonjour. Oh non. Je suis désolée. Laisse-moi t'aider. Voyons ce qu'il en est. Avec le soutien de Papa Wolf, la soumission de Wolfo et Alien sera-t-elle couronnée de succès? Et c'est parti pour un tour de force. Les enfants sont également très enthousiastes. Créative aussi. Les résultats de l'effort en valent la peine, n'est-ce pas? Génial! Une compétition sportive? La famille des longues jambes. Oh!
La finale commencera dans un quart d'heure. Je ne pense pas pouvoir continuer à le faire. On dirait que les parents Wolf sont épuisés. Que peut faire Wolfou pour aider sa famille? Wolfou, cette action n'est pas du tout équitable. Regarde, on pourrait gagner si on avait des longues jambes comme ça. Tricher, c'est mal, Wolfou. Reviens à la normale. Mais... Faisons la compétition. Je ne pense pas que tu puisses nous battre avec ça. Pensez-vous que ce que Buffo a dit est correct? Suivons le concours. Hey! Prochaine étape, course de sac de pommes de terre. La famille Wolf gagnera-t-elle la coupe d'or grâce à ses longues jambes? Tu vois, je t'avais dit. C'est le résultat de la tricherie. Nous ne devrions pas tricher pour gagner. La meilleure récompense, c'est d'avoir fait de son mieux. J'ai compris.